Donc, c'est un projet commun depuis déjà un an en Aquitaine, entre le cabinet MB, que je co-dirige, et donc la DRJSS Aquitaine, la Direction Régionale des Sports et de la Cohésion Sociale en Aquitaine. Je passe un peu. C'est bon? On est bon? Ok. Donc, un projet entre le cabinet MB donc, et la DR Aquitaine, commencé depuis septembre 2010. Alors, pourquoi ce projet? Ça vous semblera sûrement à vous évident, mais dans le monde sportif, je dirais classique, c'est moins évident. Il y a eu les cas donc, de Yoann Lemaire, le seul footballeur gay français encore à ce jour, l'affaire du PFG et du match annulé avec le Créteil Babel, qui a fait beaucoup de bruit, qui a vraiment alerté le monde du football. Il y a eu les propos de différents entraîneurs, de joueurs, de foot, toujours. Donc on s'est dit finalement, est-ce qu'il y a un problème réel dans le sport? Nous, en tant que psy du sport, sur le terrain, on sait bien qu'il y a un problème. Mais après, dans le monde sportif, c'est tellement tabou que ce n'est pas encore un sujet qu'on peut aborder facilement. Alors, heureusement, ces événements-là, en fait, nous ont permis justement d'entrer et de parler de ça, et donc d'enquêter. Donc, du coup, la DR a proposé donc une étude spécifique sur les comportements, attitudes homophobes dans le sport, qu'on mène depuis déjà un an, je vous ai dit. Et donc, on s'est simplement demandé dès le départ, est-ce que les sportifs sont, oui ou non, homophobes? Tout simplement. Parce qu'on avait déjà des éléments de réponse, on n'avait aucun chiffre, en fait, aucune, comment dire, aucune statistique, aucun élément chiffré par rapport à ça. Donc, on est vraiment parti sur une base statistique. Vas-y. Alors, vous avez trois façons, en fait, de mesurer en recherche les comportements ou pensées homophobes. Vous avez déjà l'approche comportementale. Donc là, on va sur le terrain sportif et on coche, en fait, les comportements à caractère homophobe ou qui sont déclarés homophobes. Donc les insultes qui sont les principaux, en fait, comportements. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais par contre, c'est très compliqué et surtout, c'est toujours un peu subjectif. Et surtout, ça nous limite en termes de population. On va juste interroger une équipe ou un club, mais pas une population très générale, ce qu'on voulait faire. On peut également travailler sur une approche pardon, déclarative, donc par entretien, ce qui se fait souvent en sociologie. Mais on a plutôt mis en avant l'approche sur les opinions. Donc, on a interrogé les sportifs sur leurs pensées, les attitudes, on dit en psychologie, envers les homosexuels. Donc, par questionnaire. Donc, l'approche qui est en rose. Alors, on a travaillé donc avec l'outil qui s'appelle le questionnaire ATLG, donc qui est un outil américain qu'on a traduit en français, qui signifie en anglais Attitudes Towards Lesbian and Gay. Est-ce que tu peux cliquer sur la page en fait à droite. L'image. Fécha, tu cliques dessus. Vas-y, tu vas en page 3, il me semble, ou 4, je ne sais plus. Encore. Voilà. Donc ça, c'est le questionnaire ATLG. Donc, vous avez 10 questions en fait dans cet outil-là. Vous avez 5 questions par rapport aux lesbiennes, spécifiquement, et 5 questions par rapport aux gays. Donc, du coup, vraiment, on différencie les lesbiennes des gays. Et il y a une grande différence, vous allez voir. Donc, on a un score ATL, Attitudes Towards Lesbians, et ATG, Attitudes Towards Gays. Et on va avoir deux sortes en fait de résultats. Soit un score brut, avec quoi on fait des statistiques, soit un score, en fait, je dirais, sur un continuum en fait, d'attitudes plus ou moins homophobes. Donc plus je réponds en fait, proche de 5, et plus j'aurai des pensées homophobes. Tu peux revenir en arrière. Donc ça, ils le répondent une fois pour eux-mêmes. Donc je pense, par exemple, que les femmes lesbiennes sont malades. Et en suivant, donc la page d'après, on leur redemande une seconde fois de répondre au questionnaire. Mais par contre, ce n'est pas moi, mais mes partenaires pensent. Donc mes partenaires pensent que les femmes lesbiennes sont malades. Donc du coup, on a en fait leur pensée individuelle et la pensée en fait collective de l'équipe auquel ils appartiennent ou du groupe d'entraînement sportif. Tu peux le supprimer. Donc, cet outil-là a été mesuré avec d'autres variables démographiques, évidemment, le sexe, l'âge, etc., etc., et des variables sportives. Donc, le type de sport pratiqué, le nombre d'heures de sport par semaine, le niveau sportif, évidemment, pro, amateur, etc.
et tous les sportifs ont été vus sur le terrain. Donc on voyait les sportifs en petits groupes, en situation d'entraînement, avant ou après l'entraînement. Donc ils étaient en général 10 à 50 pour les grosses structures. Et ils répondaient donc ensemble, mais de façon individuelle. Donc chacun avait un stylo et un questionnaire. Alors, en tout, on a vu 922 sportifs, enfin acteurs sportifs, 818 athlètes et 104 entraîneurs. 68% d'hommes et 32% de femmes. Ce n'est pas équilibré, mais ça correspond exactement à la répartition hommes-femmes en Aquitaine chez les sportifs. Et c'est aussi proche de la répartition nationale. Une moyenne d'âge de 22 ans, 23 sports au total. Ils pratiquaient en moyenne 10 heures par semaine et 42% pratiquaient à un niveau national, voire international. Donc une pratique, hein, je dirais, d'assez haut niveau, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui étaient en CREPS ou en filière d'accès haut niveau, centre de formation, Pôle France Espoir. Donc vraiment une pratique, je dirais, intensive en termes d'heures et de haut niveau en termes de compétition. Par rapport au type de sport, alors on a réparti en fait non pas en sport co individuel, mais en type de sport genré. Donc on prend des sports qu'on va appeler masculins, des sports féminins et des sports mixtes. Donc sport masculin, ça va être tous les sports collectifs, les sports de combat, les sports de nature, les sports mécaniques. Sport féminin, ce sont les sports à dominante esthétique ou artistique, type la gymnastique, la danse, le patinage. Et les sports mixtes, vous avez natation, équitation, le golf, natation, il m'en manque un ou deux, je ne sais plus, on verra tout à l'heure. Tennis, absolument. Tennis et squash. Donc, des premiers résultats. Donc là, vous avez donc la répartition donc des scores en fait, pour les joueurs et sportifs simplement. Donc, ils vont de très positive à très négative. Donc, on va considérer qu'ils auront des pensées à, on va dire, à caractère homophobe entre attitude ambiguë et très négative. Donc, on voit que chez les femmes, il y a, je dirais, presque pas de difficultés. On a très peu de pourcentage de déclarations d'attitude négative, alors que chez les hommes, si on cumule donc attitude ambiguë, négative et très négative, donc là, vraiment une forme d'homophobie quand même très, très caractérisée, on a 50% d'attitude négative chez les hommes. Donc ça fait quasiment un sportif sur deux qui se déclare homophobe ou du moins intolérant envers les homosexuels, gays spécifiquement, parce que les filles sont beaucoup mieux acceptées. Pour ce qui est des entraîneurs maintenant, donc la situation est, je dirais, plus positive dans le sens où aucun entraîneur n'a eu de déclaration très négative, que ce soit envers les lesbiennes ou les gays. On a quand même presque 30% d'entraîneurs qui déclarent des attitudes ambiguës toujours envers les gays. Alors c'est comment dire, peut-être pas inquiétant, mais pour nous c'est intéressant en termes de formation parce que c'est vraiment sur eux qu'on va en fait pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément hostiles ni positifs, mais ils sont voilà, dans une démarche où je ne sais pas comment gérer ça si ça arrive, ou je ne sais pas comment en fait, l'accepter. Donc sur eux, vraiment, on va pouvoir travailler en termes de formation. Comment ? C'est possible. Maintenant, en termes purement statistiques. Alors, on a clairement démontré que les hommes étaient plus hostiles envers les gays que les lesbiennes. Mais ça, c'est un résultat qu'on retrouve dans toutes les populations et dans toutes les cultures. Ce n'est pas lié juste simplement au sport. Il n'y a aucun effet de l'âge, à savoir que vous pouvez être sportif jeune, moyennement âgé ou plus vieux. Ça n'aura aucune influence sur votre attitude envers les homosexuels. Aucun effet. Et plus les hommes hétérosexuels ont des connaissances homosexuelles, plus ils seront tolérants, bien évidemment. Donc plus dans mon entourage, j'ai des amis qui sont gays ou lesbiennes, plus je vais être tolérant envers eux. Ensuite, concernant les variables sportives, alors là, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a clairement démontré que plus les sportifs se pensaient ou se déclaraient en fait sportifs en termes identitaires, plus ils sont négatifs envers les homosexuels. Pareil, plus ils vont pratiquer en termes d'heures, plus ils seront homophobes, plus ils pratiqueront à un niveau élevé, plus ils seront négatifs.
Ceux qui pratiquent un sport donc dit masculin, donc je dis les sports co principalement et les sports de combat, vont être intolérants en comparaison avec les sportifs mixtes, parce qu'on a juste eu deux en fait pratiquants hommes de sport féminin sur 800 et quelques sportifs. Les sportifs professionnels et les sportifs qui sont donc inscrits en filière taxée au niveau sont également extrêmement intolérants, plus que les autres. Et enfin, donc, on a une norme collective, donc, quand on prend le score de mes partenaires pensent, etc., qui est encore plus forte que la norme individuelle et qui influence à 40% en fait, les pensées de chaque joueur individuellement. Donc si vous voulez, quand un joueur en fait, rentre dans un groupe sportif, clairement, au premier abord, il voit en fait, la norme du groupe comme homophobe. Donc du coup, pour être adapté au groupe, il va lui-même se rendre homophobe, ou du moins avoir un comportement ou des pensées similaires. Sur 541 sportifs hommes rencontrés, on a simplement deux homosexuels qui se sont déclarés ouvertement donc, homosexuels et 5 bisexuels. Donc ça fait une moyenne de 1,4%. C'est bien en dessous de la moyenne nationale, qui varie entre 5% et 10%, il me semble. Donc on s'est dit, mais comment ça se fait? Est-ce que les gays n'aiment pas le sport? C'est possible. Est-ce que les gays arrêtent le sport très tôt parce qu'ils sont exclus directement ou de façon insidieuse? Est-ce que pour eux, c'est trop compliqué à vivre, donc ils arrêtent de jouer, ils vont jouer dans des clubs type FGL? Enfin, voilà, c'est vraiment un chiffre, je dirais, quasiment inquiétant parce qu'il y a vraiment très, très peu, en fait, de sportifs hommes qui se déclarent sur le terrain homosexuels. Après, qui se déclarent, je dis bien. Est-ce qu'ils le sont ou pas, c'est toujours la question, mais qui se déclarent officiellement, c'est plus compliqué. Donc, pareil, donc très, très clairement, plus les hommes sont sportifs, plus ils vont être homophobes, ou du moins auront des attitudes négatives envers les homosexuels. Vous avez une norme donc, qui est collective, et tout ceci, en tant que psychologue, évidemment, ça pose la question des conséquences sur les joueurs, en fait. Parce que comment un joueur type Garrett Thomas, qui est l'exemple, je trouve, parfait pour ce genre en fait, d'enquête, vit sa double vie quasiment en fait de sportif et de gay en même temps, dans un monde où on est totalement rejeté et en même temps on est fondamentalement homosexuel. Alors comment on fait? Ça a des conséquences sur soi en termes psychologiques, même psychopathologiques, évidentes, mais on a très peu d'exemples et en recherche c'est très compliqué à démontrer. Alors pour les filles, c'est beaucoup plus simple à expliquer et beaucoup plus facile. Les filles, bon, comme les garçons, elles sont aussi plus hostiles aux gays qu'aux lesbiennes, mais là encore, c'est un chiffre qu'on retrouve partout. Il n'y a pas d'effet de l'âge, et elles aussi, plus elles auront des connaissances des amis homosexuels, hommes ou femmes, plus elles seront tolérantes. En revanche, pour les variables sportives, il n'y a aucun effet sur leur attitude, c'est-à-dire qu'elles jouent à un niveau très élevé, à un niveau amateur, qu'elles jouent très peu, pas beaucoup, en structure au niveau ce que vous voulez, ça n'a aucun effet sur leur attitude. Ça ne joue pas du tout, contrairement aux garçons, qui eux sont totalement en fait, influencés par le contexte sportif. Elles, ça n'a aucune influence. Donc là aussi, on a eu 5% de femmes qui sont déclarées homosexuelles ou bisexuelles. Moi, ça me semblait peu, pour être tout à fait franc. Contrairement à ce qu'on avait dit avant, il y a beaucoup de filles lesbiennes dans le sport, etc. Finalement, 5%, ça me semblait très peu. J'ai une enquête qui viendra après dans le football. On a des chiffres beaucoup plus importants que 5%. On monte à quasiment 40% en fait, de footballeuses qui sont déclarées bisexuelles ou lesbiennes. Donc là, 5%, ça nous a quand même un petit peu, je dirais, interrogé également. Et pour conclure, donc un climat vraiment entre sportives, entre joueuses, qui quand même, je dirais, est vraiment très positif. Il n'y a aucun rejet en fait, entre sportives. Après, est-ce qu'il y a un rejet au niveau de la hiérarchie, entraîneur ou dirigeant sportif de club féminin? C'est possible. Il faut le démontrer, mais c'est possible. Et maintenant, entre joueuses, la situation est vraiment très apaisée. Il n'y a aucune difficulté à vivre en tant que sportive lesbienne, je pense, dans le sport classique. Voilà, ben merci. Il n'y a pas de questions ? Merci.
Alors, je vais réagir en fait aux deux interventions parce qu'en fait il y a des choses qui se combinent, même si on a un témoignage et une étude présentée sous un couvert de scientificité. Ça vous fait rire ? Bah oui. En fait, ma réaction, elle est liée à quelque chose que je peux comprendre dans la première intervention, que je comprends moins dans la seconde. C'est la méconnaissance du secteur, enfin des productions scientifiques sur la question qui sont aujourd'hui connues, et pas depuis aujourd'hui, depuis 20 ans. Par exemple, tout à l'heure, je trouvais très intéressant un témoignage qui traduit la façon dont vous avez vécu une histoire à laquelle vous avez participé, pour lesquels il existe des travaux, alors aussi bien sur l'histoire du football féminin, je pense aux travaux de Laurence Prudhomme-Poncet, aux travaux de Xavier Breuil, de Pascal Charouin, etc., mais aussi tous les travaux que vous avez mentionnés de Catherine Louveau, de Christine Ménesson, etc. En revanche, là où je suis plus critique, c'est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un point de vue scientifique qui est posé avec une démarche qui est validée, mais il y a des tas de choses qui sont faites au niveau international et au niveau national. Je pense au niveau international sur l'homophobie dans le sport. Les travaux de Messner aux États-Unis depuis 90, de Pat Griffin depuis 92, d'Hélène Lenski en 91, tout ça, c'est des choses qui ont apporté à la communauté scientifique des éléments sur lesquels il n'y a pas à revenir. On ne va pas dire ça fait un an qu'on travaille, alors qu'il y en a qui travaillent depuis 20 ans sur la question, sans se préoccuper de ce qui a déjà été fait. Et c'est là que je dis, sous le couvert de scientificité, en termes de méthode, il n'y a rien à dire. En plus, je ne viendrai pas intervenir là-dessus, mais c'est comment peut-on intervenir en tant que scientifique, psychologue, sociologue ou autre, historien, sans s'investir de l'ensemble de la culture scientifique disponible pour problématiser ces approches, pour questionner la réalité, voire pour prendre des options qui sont là aussi, en tant que psychologue, prendre cette option, moi je ne discute pas. Mais c'est comment se couper de connaissances qui sont aujourd'hui du domaine public. C'est là que je dis qu'il y a un problème qui se pose, que j'ai retrouvé à d'autres occasions dans le sport. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit psychologue, sociologue, historien, et qu'on commence à travailler sur le sport alors qu'on n'a pas de formation, pour que tout, ou philosophe, et je pense que l'intervention d'hier était aussi révélatrice là-dessus, tout d'un coup, je m'approprie un objet que je ne connais pas, et j'en deviens le maître, j'en deviens le spécialiste grâce à des méthodes scientifiques, et je fais abstraction de tout ce qui existe. Moi, ça me met en colère. Tu veux répondre, Anthony, ou... Non, c'est pas la peine. Pas pour moi. En fait. Non, mais. C'est la peine, ne serait-ce que par un moment dans la salle, il y a au moins trois personnes qui sont là, qui ont fait des publications scientifiques sur la question, qui ne te permettent pas de te positionner comme tu le fais. Donc voilà, c'est tout. C'est la peine. Le débat est au niveau épistémologique et au niveau également de la pertinence d'une approche scientifique pour expliquer une réalité sociale. Le propos de l'étude là, s'appuyait sur le panel des Aquitains. Donc, c'est une enquête qui a été faite en Aquitaine, donc, mais elle avait eu des précédents, puisqu'on a travaillé ensemble dans le cadre des comités de lutte contre les discriminations. Il y avait eu une enquête qui avait été diligentée. Alors, c'était avant Chantal Jouanneau. C'était pendant. C'était pendant. Enfin, ça a commencé avec Ramayad. Ouais, c'est Ramayad qui l'avait commandé. Donc on le sait, toi et moi, elle n'a pas été publiée. Est-ce que tu sais pourquoi ? Les chiffres se rejoignent quand même dans mes souvenirs. Proche, ouais, les conclusions sont assez similaires. La première enquête donc, qui avait été demandée par le ministère des Sports était, elle, nationale. Le panel, par contre, était moins important, je crois. Dans mes souvenirs, il y avait... Il y avait 500 sportifs, il me semble. Ouais. Alors, juste, peut-être tu peux en faire un parallèle, parce que puisqu'elle n'a pas été divulguée, donc confirmée ou infirmée, si les résultats étaient semblables ou pas par rapport à ce que je viens de dire, et si tu sais pourquoi elle n'a pas été communiquée par le ministère des Sports. Alors, je sais pourquoi à peu près, mais ça, c'est des questions politiques auxquelles je vais m'exclure. Et en termes de résultats, c'est quasiment la même chose que ce que je vous ai présenté là, en fait. Marrant. Avec un contexte féminin et masculin très, très différent, et donc des phénomènes qui se... voilà, qui se... Corel. Bonjour. Alors moi, je trouve que c'est intéressant comme étude, mais alors je regrette un peu qu'elle porte exclusivement sur les hommes. Alors si j'ai bien compris, c'est
C'est parce que il y a peu d'homophobie chez les femmes, enfin envers les femmes. Alors vous dites 50% d'attitude homophobe envers les hommes. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le pourcentage d'homophobie qu'il y aurait chez envers les lesbiennes? Oui, je l'ai montré. Hein. C'est dans le tableau page 5 ou 6, je ne sais plus. Donc ça fait, ça fait à peu près. Alors pourquoi avoir exclusivement basé votre propos sur les hommes là dans cette J'ai fait hommes et femmes, il me semble, mais Oui, non, mais quand vous voilà, quand vous parlez du propos, vous parlez quand même envers les gays. Oui, parce que c'est en fait c'est chiffré. Regarde, si tu prends donc les filles ici. Tu cumules, pour les lesbiennes, tu as 0, ça fait 0, ça fait 7%, ça fait 7,3% d'attitude ambiguë ou négative. En comparaison, on a 50% chez les hommes. D'accord, donc voilà, donc le pourcentage, c'est ça. Il y a vraiment que il y a un écart qui est vraiment significatif. Tout à fait. Voilà. Entre, d'accord, donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'en avais pas connaissance et ça m'étonne, mais je trouve ça... Après, c'est vraiment entre joueuses. Très bien, mais alors après, voilà, je pense qu'il faut un peu timorer ce propos parce que quand vous dites ensuite que, de manière générale, on le retrouve même au-delà du sport, la lesbophobie, en fait, est moins forte, je pense que ce n'est pas du tout vrai. Et en tout cas, si on a cette impression-là, c'est parce qu'aussi, les lesbiennes sont moins visibles. Donc, effectivement, il y a forcément moins de lesbophobie quand il y a moins de lesbiennes qui s'autoproclament et puis qui sont visibles dans la société en général. Donc, je pense que il faut faire attention quand on est sur ces sujets-là, lesbophobie, gayphobie, à pas faire des amalgames et à pas trop peut-être timorer le propos sur la lesbophobie qui est une vraie réalité et même au-delà du milieu tout sportif. Tout à fait. Mais là, vraiment, c'est entre joueuses, hein. Que entre sportifs. Ça ne compte pas les dirigeants, présidents, etc. C'est très différent, en fait. Les filles entre elles sont d'une tolérance vraiment, je pense, extrême, enfin, vraiment, sur laquelle on ne peut pas forcément contester. Après, sur le terrain, je le vois faire, au niveau des dirigeants, même des coachs, ça n'a rien à voir. Vraiment. La tolérance, D'accord. Très bien. Plus ambiguë. Oui. I would like to ask the participants of the survey, did they report any of the homophobia to a relevant body? And if so, was it acted on? Donc, elle voudrait savoir si suite à cette étude, il y a eu... est-ce que les gens qui ont participé ont... déclarer ces actes d'homophobie, est-ce qu'il y a eu une réaction ou est-ce que ça... Quelle était la suite concrète? C'est-à-dire? Donc les comportements, en fait, tu veux dire. The behavior of the athletes. Ah non, aucune. Oui, moi je voudrais revenir, bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Philippe, mais je suis d'accord en grande partie avec ce qu'il a dit. Je voudrais pointer des éléments qui sont importants. Je pense que la question de Christelle était bonne sur les aspects politiques. Pourquoi elle me semble intéressante? Parce qu'il me semble que le fantasme et ce qui fait le défaut de scientificité de ce type d'études et qui est dangereux, c'est justement de répondre à une demande politique qui vise à remonter, et lui met la négociation politique au-dessus, mais elle commence dans son travail scientifique. C'est-à-dire qu'il faudrait mesurer et dire il y a tant de pourcents d'homophobes, il y en a 25 dans la salle, il faudrait pouvoir dire ça monte et ça descend pour faire des politiques publiques. Alors, le problème méthodologique, ça pose, il est au tableau, là, le problème méthodologique. Il est que, vous voyez, là, c'est pas du tout d'accord, et là, c'est tout à fait d'accord. Quand on change les mots et que ça devient très positif, positif, ambigu, négatif, c'est pas la même chose. Il y a un petit glissement qui se fait. Qu'est-ce qui fait qu'on décide qu'à partir de là, c'est des homophobes? Si on veut bouger les chiffres, on dit c'est à partir de là, ou on dit c'est à partir de là. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans les études, par exemple, sur le racisme, sur ce type d'échelle. C'est qu'à 10 ans d'écart, ça baisse. Pourquoi?
Parce que quand on pose la question aux gens, ils disent pas qu'ils votent Front National. Ils disent pas qu'ils sont homophobes. Et le type d'échelle où on leur dit « Est-ce que vous voulez pas que les gens se marient ?» etc., même s'ils en pensent autre chose, même s'il y a des choses qui les dégoûtent, ils le disent de moins en moins. C'est pour ça que la première diapo qu'il a fait en différenciant les actes, la déclaration et le parti pris psychométrique de ce type d'étude, à mon avis, est dangereux. C'est-à-dire on en fait un usage politique, il y a des demandes pour mesurer, pour mettre des politiques publiques, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on évalue, et le risque est de faire du politiquement correct. Et nous, dans une étude qu'on a faite avec Stéphane en Bretagne, on a vu apparaître ce politiquement correct. C'était chez des gamins de collège tout à fait classiques. Hein. Et un des résultats principaux, c'est qu'il y avait un effet âge et classe sociale. Et quel était cet effet âge et classe sociale? Cet effet âge, il était que plus les gamins vieillissent, plus ils intériorisent le politiquement correct. C'est-à-dire que par rapport à ce type d'études, le même type de gamins, vous les prenez en sixième, ils n'ont aucun problème à dire que oui, ils disent PD, etc. En troisième, en seconde, en première, ils le disent moins facilement. Et ce, d'autant plus qu'ils sont dans des filières aisées, élevées, et qui viennent de milieux sociaux aisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de produire dans nos sociétés du politiquement correct et que les gamins se socialisent et apprennent petit à petit à dire des choses dont ils savent qu'il ne faut pas le, hein, qu'il faut pas dire ça parce que ce n'est pas bien. Mais après, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils font sur les terrains de sport, on n'en sait pas plus. Voilà. Oui, une question? Merci. Je suis Greg Descamps, président de la Société française de psychologie du sport. Moi, je tiens à souligner, je pense, bruyamment la qualité scientifique de cette étude. C'est un parti pris et c'est un point de vue en tant que chercheur. Donc bon, maintenant, Philippe, tu sais qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'on se doit, en tant que chercheur, de rester objectif vis-à-vis des recherches qui peuvent être menées, qui ne se situent pas nécessairement dans le champ conceptuel ou dans les paradigmes qu'on a l'habitude de manier. Donc ça, c'est un fait. Moi, je trouve que cette étude a le mérite de proposer une méthode différente de celles qui ont pu être utilisées jusqu'à présent. Anthony l'a dit dans sa présentation, il n'est pas en train de mesurer directement si les athlètes sont homophobes ou pas, même si au départ, c'est ça la question de départ posée pour le ministère. Là, la réponse de l'étude, c'est de dire... Une façon peut-être plus intelligente de prendre le problème, c'est de ne pas s'arrêter, est-ce que les gens sont homophobes ou pas, c'est donnons-nous les moyens de disposer d'un outil qui permette de mesurer les attitudes des sportifs. Et ça, c'est un élément en plus parmi d'autres qui nous permettent de mieux connaître les fonctionnements, les mentalités et les mécanismes psychologiques qui sous-tendent un peu certains comportements qui par la suite peuvent être déviants. Donc voilà, moi en tant que chercheur, je ne peux que me positionner justement de façon opposée pour montrer que là, il y a un véritable débat hein, scientifique sur le plan de la méthodologie, mais je ne peux pas cautionner le fait qu'il y ait des propos qui disent que c'est du pseudo-scientifique, voire du non-scientifique. C'est une approche scientifique, mais qui répond à des paradigmes et des méthodes autres. La seule question que du coup j'avais pour... parce qu'après, le fait que ce soit Anthony sélectionné ou retenu par le ministère des Sports pour conduire un certain nombre d'enquêtes sur la thématique, j'ai envie de dire, c'est pas à lui qu'on va le reprocher, c'est au ministère qu'il faut le reprocher si le choix n'était pas judicieux. La question du coup que moi j'aurais sur l'étude, c'est j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Tu as abordé tout à l'heure la question de l'influence des attitudes des autres membres du groupe. Tu as dit que ça influençait d'une certaine façon les attitudes personnelles. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur la façon dont ça a pu être mesuré et sur un peu donner des idées sur des perspectives d'intervention pour savoir comment on peut intervenir au niveau du groupe pour changer les mentalités un peu de façon indirecte? D'abord, changeons les mentalités, les valeurs du groupe pour essayer d'avoir un impact sur les mentalités individuelles. Mm-hmm. Alors, c'est compliqué. Donc, les sportifs, donc, ils répondaient pour moi-même. Je pense donc que les homos, etc., sont ce que vous voulez. Et donc, mes partenaires d'entraînement pensent. Donc, on a vraiment un score individuel. Donc, moi-même, je pense. Et mon groupe d'entraînement, mon équipe entière pense. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la norme, en fait, du groupe auquel j'appartiens. Une norme collective. Donc, après, en termes de formation ou de prévention, on peut travailler donc sur soi l'individuel,
soit le collectif. À mon sens, il est plus intéressant si on travaille sur le collectif, parce que c'est vraiment c'est une norme qui, en plus, s'est exagérée par rapport en fait, aux normes individuelles, dans le sens où les sportifs déclarent des attitudes encore plus négatives pour leur groupe que pour eux-mêmes. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc justement, si on veut en fait, former après les entraîneurs ou former justement les joueurs, on part sur une démarche plutôt collective plutôt qu'individuelle. Les deux sont évidemment mêlés, mais le collectif, à mon avis, c'est la base, même en sport individuel, parce qu'un groupe d'entraînement est tout le temps en fait, ensemble et en collectif. Alors moi, j'aurais une toute petite question, toute petite remarque, toute la question, dernière. La dernière. Je ressens une profonde incompréhension sur le choix que vous avez fait sur la définition de certains sports masculins, féminins, mixtes. Sur quoi vous êtes-vous basé pour définir ce sport est masculin, ce sport est féminin, ce sport est mixte? Alors, c'est pas de moi, hein. C'est une étude donc, de STAPS. Donc, il faut une différenciation donc, entre sport, je vous ai dit donc mixte, féminin et masculin. Là-bas, donc, c'est une différence qui est faite aux USA. Adapté en France par des chercheurs en STAPS, M. Sarrazin et M. Eusey, il me semble. Et donc, bah, donc, c'est une différence qu'ils font donc, en STAPS qu'on a appropriée pour cette étude-là, en fait. Mais c'est vraiment une différence qui est faite couramment en STAPS, je dirais.